Mayer, bonjour. Merci de cette exclusivité pour France TV Info de nous présenter le premier smartphone équipé en LiFi. Alors pourquoi avoir créé un smartphone LiFi ? Vous savez tous, si on veut démocratiser la technologie LiFi, il faut qu'elle soit accessible à tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a de plus accessible qu'un simple smartphone qui sera tout de suite équipé en LiFi ? Donc il était vraiment primordial de passer d'une clé LiFi à un smartphone complètement LiFi intégré. Alors une clé LiFi, parce qu'il y a un an sur le stand de France Télévisions au Web 12, on avait vu un dongle qui équipait une tablette en l'occurrence, qui était assez imposant en taille. Donc en un an, ce dongle maintenant a été miniaturisé et directement intégré dans ce téléphone. Vous avez dû passer un accord avec des constructeurs de téléphones? Alors aujourd'hui, on n'a pas passé d'accord, donc on travaille sur des smartphones sans marque, on va dire. Oui. Et à présent, effectivement, on pourrait taper à la porte des constructeurs pour leur dire, voilà, regardez, on est capable, allez-y maintenant pour intégrer la technologie. C'est voilà. Très simple pour vous en tout cas de le faire. Donc ce téléphone en fait est un prémisse de l'introduction de la technique LiFi au sein de tablettes et de téléphones. Exactement. De grands constructeurs. Oui, tout à fait. Eh bien, bonne chance. Merci. Merci bien.